En France, nous décomptons un total de 108 847 cas confirmés, selon Santé publique France, soit 2641 cas de plus qu'hier. Depuis le début de l'épidémie, ce sont 110 000 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 qui ont été enregistrés et plus de 75 850 personnes atteintes par la maladie qui ont dû être hospitalisées. C'est totalement inédit. Les remontées de 1250 établissements de santé font état de 31 305 personnes encore hospitalisées pour infection Covid-19. Le nombre de malades hospitalisés reste donc très important. En 24 heures, ce sont 1823 nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital. Mais le solde présente pour la deuxième fois une baisse, car grâce aux sorties qui sont nombreuses, nous avons 474 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. C'est une décroissance, c'est un indicateur important, mais qui nécessite d'être confirmé encore dans les prochains jours.